Yo mon pote, j'espère que tu vas bien. Alors il faut que je te dise absolument avant que cette vidéo commence, dimanche à 10h exceptionnellement. Bien honnêtement, tu peux pas rater cette vidéo. C'est tout simplement l'annonce de ce que je vous ai dit depuis environ un mois avec le petit puzzle. Voilà, vous allez savoir ce que c'est et franchement ça va vous plaire. Oui, excuse-moi deux secondes mais t'as quand même oublié un truc. Les amis, franchement, venez me suivre sur mon Instagram juste ici. En ce moment, je fais gagner un maillot et demain matin, je lance un nouveau concours pour un nouveau maillot. Franchement, venez en profiter. Allez, ciao, ciao. Sinon, vous le savez, en ce moment, on est dans une période un petit peu spéciale du football français. On va se le dire, allez les bleus. Je voulais donc vous présenter en lien avec ça une petite application. Vous le savez, je fais pas souvent des placements de produits, mais cette application me plaît beaucoup et je sais qu'elle peut vous plaire. Il s'agit donc de Top Eleven, une application mobile, voilà, disponible sur iOS, Android, où tu es tout simplement le coach. Donc si tu as envie de te sentir un peu comme l'entraîneur des bleus, vas-y mon pote, parce que tout simplement, ils ont sorti une coupe internationale. Et là, on va se régaler, on va se faire un petit match avec l'équipe de France en espérant gagner. Que si je gagne pas, ça le fait pas du tout. L'application est totalement gratuite, donc voilà, on va se faire un petit match avec les bleus. Alors c'est parti, donc vous avez le match tout simplement qui va commencer, vous avez les actions, les stats, fans, voilà, vous pouvez savoir s'il y a des supporters qui sont présents. J'espère qu'il y en a certains qui sont présents pour moi, ça serait cool. Oui, oui, ouais, yes, ouverture du score. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Allez, pourquoi pas, le deuxième but qui fait plaisir, le deuxième but, yes, 2-0. Et là on est bien honnêtement. Non mais les gars, on part sur une amusade totale là. Sur un amusement. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires les amis si vous kiffez ce jeu. Voilà, si vous y jouez dans les commentaires, si vous kiffez être un peu l'entraîneur. C'est un but. C'est un but. 4-0, moi j'ai envie de te dire, c'est parfait pour un match en vidéo que je vous montre. Non, non, ouais, bien défendu. Bien, on est bien défense en plus, on est serein. Non, on n'encaisse pas de but les gars. On n'encaisse pas de but, voilà, ça c'est de la défense comme je les aime. Et c'est une victoire. Vaim a gagné un match dans Top Eleven. Bien sûr que Vaim a gagné un match. Et c'était pas ma première victoire, je te le dis direct. Hein. Bref, voilà mon pote, j'espère que t'auras kiffé ce petit jeu. Le lien sera en description. Et puis c'est parti pour la vidéo les gars. Le duel des Guillaume, let's go. Bien, Borbem aux commandes, j'espère que vous allez bien. Et j'ai failli prendre un pas. Ben, j'espère que tu vas bien, mon gars, parce qu'aujourd'hui, c'est la Serbie qui va jouer son 8ème de finale Coupe du Monde Challenge contre le Costa Rica. Et Costa Rica, c'est qui? Vous en souvenez? C'est Guigui. C'est Guigui, il est là. Ça va, quoi, gars? Salut, Guillaume, enchanté. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un gros pouce bleu. Voilà, vous me le demandez depuis tellement de temps que dès qu'il est là, on essaie de se faire un truc ensemble. Guillaume, est-ce que tu penses que tu vas le gagner aujourd'hui? Je pense pas, j'en suis sûr. Ouh. Ça défie. Ok. Allez. Ah, okay. Préféré qu'il aille au goal, ça aurait été plus simple. Non mais je... Ok, d'accord. Moi je parle pas. J'agis moi. Allez, c'est parti. En fait, le but ça va être de tirer d'ici, on va avoir 10 ballons et d'en mettre le plus possible dans les cages. Exactement, t'as tout compris. 10 ballons pour essayer d'en mettre le plus. Celui qui en met le plus, bah, tout simplement, en 10, remporte le premier défi. Chifoumi pour savoir celui qui gagne. Une manche. Une manche. Celui qui gagne choisit ou celui qui gagne commence? Celui qui gagne choisit. Chifoumi. Ok. On va essayer de donner le meilleur de soi-même comme d'habitude. Allez, vamos. Allez, Guillaume. Oui. Oh, nice. Honnêtement, je sais pas si elle passe. Je crois qu'elle passe. Et non, c'est au-dessus. Mais putain, tout à gauche, règle. Oui, tu as demandé une règle, Guillaume. Bon. Tiens à dire que Guillaume en a fait un ou deux. On sait pas encore, l'arbitre n'a pas l'assistance vidéo, n'est pas encore arrivé. Moi, je pense que c'est deux. Ouais. Oui, bon, c'est bon, on peut enchaîner. Guillaume, quels sont tes premiers ressentis? Content. Content, penses-tu aller loin dans cette compétition? Bah, avec les crossbars, on verra après, mais bon. Et toi, tu penses que tu pourras égaliser? Je pense le faire. Ok, ça va, nous nous retrouvons tout de suite pour le deuxième défi. C'est parti. On va faire donc 10 crossbars, 10 tentatives pareil que tout à l'heure.
Voilà, ils sont à la ligne des 16m50. Ils doivent essayer d'en mettre le plus. Prédiction, les gars, comme d'habitude, sur 10. 4. 4. 2. 2. Ah ouais, ouais, t'es pas optimiste là. Crossbar, normalement j'égalise. Ouais, normalement t'égalises. C'est très dur de pronostiquer. Si je fais 0, je suis humilié. T'avais dit 2 pour l'instant, t'es pas bien, hein. C'est le moment, il t'en reste 2. Allez, la dernière. C'est rageux. Ça, c'est la technique du rageux, c'est-à-dire que quand t'arrives pas, Chico il la maîtrise bien celle-là aussi. Je vais gagner. Et tu vas tous les chercher, hein. Cette personne est déterminée. Tu peux venir, Guillaume, tu sais, t'es encore dans le jeu. Les gars, je veux une motivation extrême. Est-ce qu'on est motivé là? Évidemment. Oula, moi, je suis là pour gagner. Ok. T'es pas venu là en vacances. Ok. T'es pas venu là pour trier les lentilles. Elle est pas mal. Le but du jeu, ça va être de marquer la plus belle lucarne. Ils vont avoir chacun 5 coups francs. 5 coups francs pour déterminer celui qui va marquer le plus beau but. On se serre la main, les gars? Évidemment. Allez. Je te souhaite un bon match. Bon match, c'est beau, c'est beau, c'est beau, buteur. Ça commence bien, mais c'est pas cadré. Allez, Guillaume, c'est ton moment, Guillaume. Pour tous les Costaricains qui regardent la vidéo. Rappelle-toi tous ces moments passés ensemble. Oh, c'est le destin, c'est le karma. Il n'y a pas assez pensé, il n'y a pas assez pensé. Rapproche, hein. Ouais, ça se rapproche, ça se rapproche. Allez, allez, allez. Super, super, super. Au bout du bout, le mec se qualifie. Par contre, étant donné que la compétition va être jusqu'à mi-juillet, que toi tu seras pas là en juillet, ça va être compliqué. À qui donne, si jamais tu peux pas être là, qui donnes-tu ta place? Moi je pense que la qualification au final revient à Guillaume, donc c'est pas que ça servi à rien au final. Ah, c'est vrai qu'il y a peu de chances que je sois là pour les prochains tours, mais bon. Ok. Il représentera la team Guillaume. Voilà, donc tu lui donnes avec plaisir ta place. Évidemment. Ok. Si jamais je ne suis pas là. Ouais, si jamais il est pas là, parce que s'il est là, voilà, et on le fera bien entendu. Bref, j'espère que vous aurez vraiment passé un super moment en notre compagnie. On vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Entraînez-vous bien, profitez de la Et profitez de la vie à fond. Ciao tout le monde. Peace.